Mon père trouvait ça crissement agréable, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là. C'est pas comme vous, monsieur le curé, mais la soutane, les prières, le petit Jésus, il trouvait que c'était de l'estimable. Hey, si t'es venu me regarder faire, là, tu peux retourner en Ontario, hein. T'as volé les cendres? On dirait que ça se peut pas que t'aies fait ça. Je sais même pas ce qui m'a pris, là. Je les ai sortis, puis après, ils rentraient plus, puis la madame est arrivée. C'est fucking nice. On va au chalet, on drop les cendres, puis on n'en parle plus. Hmm? Ah, parce que tu te rappelles où, toi, ce chalet-là? Ça n'a même pas d'adresse, ça. Je me rappelais pas que c'était beau de même. On est vraiment en cœur de pas être abonné à moi. Tu sais, là, l'affaire que tu changes tes cendres en arbre, quand je vais mourir, moi, j'aimerais ça me faire incinérer. Puis me faire mettre dans un urne de même. Des plans pour que tu te ramasses dans un parc à te faire pisser dessus par des chiens. Peux-tu prendre un petit break des cendres? Fait un bout de temps que t'es en break, toi. De quoi tu parles? Ça fait 2 semaines que Paye est mort, du jour. Tu vas pas me faire croire que tu pouvais pas te libérer avant. C'est ça le secret. C'est ça le secret du gouin. Gouin, 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 gouin. Vous, vous êtes pas des vrais pêcheurs. T'aurais-tu tant que ça? Ouais. Quand même. Nous autres, là, on est juste des astis de fils de merde! On a chié les funérailles de notre père, man. Même trop grand, cet astis de réservoir-là. On trouvera jamais le chalet.